cas, Io était très excitée, car aujourd'hui, papa allait les aider, lui et Léo, à construire un projet spécial pour l'Expo Science. Voilà, je pense que nous avons tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on construit, papa? Une fusée? Pas vraiment. Nous allons faire un volcan. Super! C'est génial, les volcans. J'en ai vu un à la télé. Comment ça marche? Regarde! Caillou observa papa verser de l'eau dans l'une des bouteilles de soda. C'est quoi ce machin? C'est du vinaigre et du colorant rouge. Ce sera donc la lave. On dirait pas de la lave. Non? Eh bien, regarde ça! Ouah! C'était incroyable! Oui, comme de la vraie lave! Maintenant, faisons un vrai volcan. D'abord, collons une bouteille de soda sur le carton. Comme ça? Parfait! Ensuite, on l'entourera de papier journal froissé. Avec l'aide de papa, Caillou et Léo ont collé les feuilles de papier journal autour de la bouteille. Bon travail! Maintenant, ça va être salissant. Plongez une bande de papier dans le bol. Puis, posez-la sur les flancs du volcan, comme ceci. Caillou et Léo ont fait ce que papa leur avait montré et ont collé tous les morceaux de papier collant pour faire le volcan. Très bien, les gars. C'est presque fini. Maintenant, nous allons le peindre. On peut peindre marron la montagne, vert pour l'herbe. Ouais, et on peut mettre du rouge autour du haut pour la lave. Faire des volcans, c'est chouette! Caillou et Léo se sont bien amusés avec la peinture. Cela ressemblait à un vrai volcan. Très bien, les gars. J'ai hâte de le voir en action demain à l'Expo Science. C'était le jour de l'Expo Science et Caillou et Léo étaient prêts à présenter leur volcan. Bonjour à tous. Voici le volcan que Léo et moi avons fait. Un volcan est un peu comme une montagne avec une cheminée au milieu. Quand le volcan a trop de lave à l'intérieur, elle sort par le haut. Comme ça. Oh oh! Caillou a eu beaucoup de plaisir à faire le volcan avec papa et Léo. Voilà!